Hier, l'atelier patrimoine nous a donné ce début de dialogue qui a comme objectif l'intensité patrimoniale. Comment est-ce qu'on considère et qu'est-ce qu'on considère patrimonial dans cette église-là, qui va être mise en dialogue avec l'évaluation patrimoniale qui est en élaboration, qui est plutôt sur l'avis d'un professionnel, qui est basé sur des recherches documentaires, de livres et ainsi de suite. Donc, ils ont réalisé la difficulté de faire un choix. Ils ont constaté comment le patrimoine peut être émotif. Puis, finalement, ils ont commencé à faire des agglomérations d'objets. Alors, au lieu de dire, bon, les bancs, les armoires, les boiseries sont importantes, soudainement, ils ont créé un thème bois. Ils ont tout de suite commencé à se dire, bien, si on ne peut pas garder tel quel certains éléments, est-ce qu'on peut les réutiliser? Et là, une des idées, c'est que les bancs pourraient devenir mobiles. Avec l'espace, selon l'activité, selon l'usage. Aujourd'hui, nous avions une journée de rencontres et d'activités, encore une fois cette semaine. Il y avait une rencontre avec le milieu communautaire. On a pu profiter de la présence du Café citoyen. Café Dôme, un lieu de partage où chacun vient pour échanger, pour donner ou pour recevoir quelque chose. Nous, on trouve que notre projet, au contact des idées des autres, change. Et si tout le monde a les mêmes objectifs, dans ce cas-là, on peut vraiment créer quelque chose de différent. On mangeait ensemble, on s'est réunis et on a pu discuter de comment le milieu communautaire pourrait s'intégrer ou réfléchir avec Saint-Marc sur son avenir. On a une crise d'espace locatif. Il y a des groupes, là on parle de groupes communautaires, mais on parle aussi de d'autres types de groupes qui, des fois, ont besoin d'un espace pour 6 mois, 1 an, le temps de survivre de bord. Fait que c'est sûr qu'avoir un autre pôle ici, ça serait génial. Effectivement, la priorité qui a été votée, l'espace de rencontre, c'est tellement important. Parce que si c'est comme le pôle ouest du quartier qui n'est pas investi beaucoup, hein? Le pôle nord-ouest, dans le fond, là, on est beaucoup vieux Rosemont, est de Rosemont, mais je trouve ça vraiment intéressant si l'église ici pourrait devenir comme le pôle communautaire, culturel, intergénérationnel, etc., de l'ouest. Quelque chose, moi, qui me semble très important, une église, c'est toujours été ouverte du matin au soir, puis tous les jours. Mais j'aime bien l'idée de cet espace ouvert. Le Dunkin' Donuts, c'est un lieu de rencontre. Tu vas te promener là dans le jour, tu vois plein de gens âgés, moins âgés sont là. C'est pour prendre du temps. Mais il n'y en aura plus ici dans le quartier. C'est quelque chose que je trouve qu'on peut y rattacher, y arriver différents organismes et atteindre différents objectifs aussi, puis différentes clientèles. Le marché de l'Est qui est venu vendre des légumes au prix coûtant, donc pour illustrer un petit peu une vente de fruits et de légumes sur place. C'est accessible à tout le monde, pas besoin d'avoir présenté. Non, c'est pour tout le monde. Donc c'est un comité accès à la nourriture formé des citoyens et des intervenants dans l'Est de Rosemont, à l'Est de Pinève. Donc ça s'appelle un dessert alimentaire parce qu'il n'y a pas assez de fruits et légumes. On est ici aujourd'hui pour montrer un petit peu, ça serait quoi, un petit marché public dans l'église Saint-Marc. C'est ici? Ça va. Non, j'habite là sur la deuxième. Voilà. Il y avait aussi Tricot pour la paix. Alors, on avait des gens qui venaient tricoter sur place. C'est un organisme qui aime bien butiner d'un endroit à l'autre, tricoter pendant qu'on discute à refaire le monde. Bien, il y a plein de façons de s'impliquer à ce niveau-là. Pour différentes causes, c'est différentes choses, par exemple. Mais c'était des foulards pour les sans-abri. Oui. C'est pas abstrait. On n'est plus dans le virtuel. On est dans le vrai, le matériel. Puis on est tellement dans une société qui célèbre les résultats, puis qui n'enseigne pas assez à apprécier le processus. Donc avec le tricot, moi, j'apprends beaucoup de choses, puis je désapprends beaucoup de choses. On a eu une visite surprise, en fait, Cathy Mavic, qui a atterri, qui a demandé s'il pouvait utiliser l'église pour faire un lieu de rencontre, qui est tout à fait dans l'esprit d'espace partagé, de coworking, qui était un des thèmes récurrents de la semaine. On avait Christine, une artiste du regroupement qui poursuit son travail de mosaïque, qui a passé la semaine avec nous. Super semaine. Moi, je venais pour m'imprégner des lieux, pour vraiment comme... me sentir petite dans l'espace. Dernier. Et je sens que ça a changé ma façon de faire la mosaïque. Fini. D'habitude, je suis plus pressée. Là, j'ai allié plus la lenteur. Je crois qu'il y a aussi l'énergie du groupe qui travaille ici, où il y a plein d'idées. Et on veut quelque chose comme
différent, plus grand. On est à un stade où on est là-dedans, hein? Tout le monde, dans notre petite vie, dans notre travail, mais aussi dans nos interactions avec les autres. Et je trouve que c'est ça que l'Église et le groupe m'a donné. Avec les années, l'espace à Montréal est de moins en moins disponible. Les espaces sont de plus en plus petits, de plus en plus dispendieux. Alors, dans ces rêves-là se partent un peu au vent. J'essaie d'attendre les opportunités. Alors, c'est vraiment un projet qui se relie à beaucoup de mes rêves personnels et mes idéaux en tant que travail communautaire, artistique. Je pense que ça a pris une autre tournure que ce que j'aurais pensé. C'était surtout beaucoup d'enfants qui n'avaient jamais vu des tables tournantes. Alors, c'est devenu une espèce d'exposé historique un peu pour eux. Ces recettes-là sont pour 4 personnes. Ce qui se passe ici, ce sont les copromoteurs du processus qui font à manger ensemble. Alors, c'est une réunion de copromoteurs. Puis, l'idée, c'est de le faire comme on fait un peu dans une cuisine, chez nous à la maison, on discute, on jase. Voler les mots de la bouche, là, c'est en plein ça. On verra ce que ça donne à la fin. Est-ce qu'il faut mettre du céleri dans les deux chaudrons? Alors, ils préparent la soupe pour ce soir, pour le 5 à 7, qui est le bilan de la deuxième semaine, la semaine prototype et expérimentation. On va nourrir les masses et tous les visiteurs qui vont venir voir le bilan et discuter de comment la semaine s'est passée.